Si on veut prendre le dessus, on doit être prêt à tout. Même à travailler avec le SOE. Les forces spéciales britanniques. Il y a un truc qui se prépare. Tu m'étonnes. Même Davis est là. Nous avons reçu des renseignements de la résistance à propos d'un train allemand stationné à Argentan. Transporterait des fusées V2 en prévision d'une attaque sur Paris. Cet arrêt à Argentan nous laisse le temps de positionner notre escouade. Ce train doit être stoppé. Vous avez brillé à Marigny. Pour cette raison, nous vous offrons cette occasion et ce privilège. Merci, mon colonel. Mais on dirait une mission pour plusieurs escouades. Pourquoi vous allez faire équipe avec le SOE ? On s'en bat les couilles, mon colonel. Thank you.
munitions t'attend, soldat. Toi, l'ami. Ça va aller. Accroche-toi, l'ami.
Michel, envoyez. Il doit pas nous échapper. Allez, 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 allez
Chef ! Tiens, Daniels ! Changement de programme ! Il ne doit pas nous échapper !
au bureau de poste.
ici! J'en ai besoin maintenant! Voilà pour toi! Active tes ennemis, droit devant! Prends tes munitions, Daniel! Fumigène envoyé!
été touché. Maintiens la trajectoire. Il balance des grenades. On doit atteindre la locomotive. Continue à tirer. À l'intérieur du wagon. Continue à tirer. Continue à tirer. Oh, à l'intérieur du wagon. C'est pas encore fini. Mitrailleuse. Johnny, Daniel. Sors-nous de là. Ils pourront pas nous toucher si on se rapproche. Putain de merde! On vient de faire ça? Content qu'on s'en soit tiré! Waouh, ça, ça fera date! J'espère que Styles a des photos! Personne ne lâcherait peut-être même pendant 5 foutues minutes! Fais gaffe! Suivez-moi, pour rejoindre votre section. Pardon, mais. Mais vous êtes qui, vous? Une amie. Faut se dépêcher. Envoyez!
devant. Votre escouade n'est pas loin. En voilà par ici. Allons-y, Daniels. Bien que ce sont des hommes à vous. Ah, vous avez rencontré Rousseau. Elle est du maquis, résistance française. Elle a tué un boche qui nous tirait dessus. Vous pourriez au moins essayer de les interroger avant. Ouais, la résistance française. C'est pas passé loin. Vous avez fait un sacré grabuge. Vous étiez censé stopper le train, mais pas le détruire. Ouais, désolé que tout n'ait pas tourné comme prévu, mais d'un autre côté, on vient d'alerter toutes les garnisons allemandes qui se trouvent dans le secteur. Donc on ferait mieux d'y aller. Allez, en route. Non, pas avant de finir la mission. Vous confirmez, Major? On a besoin que vous dénichiez... J'ignore comment, mais Zus et moi avons survécu à la destruction du train. Assez longtemps pour tomber sur une Française du genre coriace. Une dénommée Rousseau. Elle appartient à la Résistance. Et devine un peu, elle nous a envoyé chercher des documents dans les débris. Elle en avait besoin pour une mission à Paris. Et elle a du boulot pour nous. En faisant sauter ce train, nous avons offert un peu de temps à Paris. La Résistance va pouvoir utiliser les documents récupérés pour infiltrer un QG nazi dans la ville. J'ai vraiment hâte. Août 1944. Ça y est, on y est. Nous allons libérer Paris. La deuxième blindée française et la quatrième d'infanterie américaine arrivent à l'aube. Cela veut dire qu'on va bouger ce soir. Ça fait une semaine qu'on a démoli ce train. On est au beau milieu de Paris et on travaille avec la Résistance. Rousseau et Crollet veulent saboter les structures de l'occupant. Ce qui veut dire frapper l'ennemi en plein cœur. Grâce aux documents qu'on a trouvés dans le train, Rousseau et moi, nous allons nous faire passer pour des nazis pour infiltrer la garnison. Par ici, messieurs. Cette caserne est dirigée par le SS und Polizeiführer Heinrich. Il n'a pas pu me capturer. Il a pris mes parents, puis mon mari, et enfin, mon fils. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble de nos combats, aura un sens. Cette nuit, nous reprenons la ville. La caserne. Notre contact sur place nous fournira les explosifs. Quand nous aurons fait sauter le portail, ce sera à vous de jouer. Nous comptons sur vous. Ok, les gars. On se prépare. Les boches vont pas se laisser faire comme ça. Si on peut survivre à Pearson, je pense qu'on peut tout affronter. J'ai combattu à ses côtés à Kasserine. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini, mes amis. Mais d'abord, il faut prendre des risques. C'est parti. Le cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne la route. Revoyons ça encore une fois. Vous êtes Gerda Schneider, attachée militaire. Herr Spiegel, des renseignements, vous envoie pour organiser l'évacuation de Heinrich der Berlin. Prenez bien le temps d'étudier le dossier.
C'est notre seule chance. Recruter notre taupe nous a coûté très cher. Vous devez le retrouver et échanger votre mallette avec la sienne. Normalement, il aura les explosifs pour faire sauter les portes. Vous vous en faites trop, Major. Oui, mais c'est mon boulot. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. Qui vous envoie ? Herr Spiegel. Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence avec vous. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout. Guten Abend. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich wurde aus Berlin hierher versetzt. Seltsam. Laut Ihren Papieren sind Sie hier, um Polizeiführer Heinrich bei seinen Reisevorbereitungen zu helfen. Beeilen Sie sich, Feitdebel, ich bin in Eile. Natürlich, mein Herr. Sie können weiter, Fräulein Schneider. N'oubliez pas, votre contact s'appelle Fischer. Il porte un uniforme d'officier gris. Quel est le mot de passe ? Verlaine. Bonne chance. Kommen Sie mit mir. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Kennst du sie? Ich habe einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste. Schön, Sie zu sehen. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele Widerstand. Kennen Sie zufälligerweise Verlaines Gedicht, das Herbstlied? Das ist eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich musste nach oben hetzen und meine Tasche holen. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ihre Papiere sagen etwas anderes. Erst eine komische Frage über ein Gedicht und jetzt das. Kommen Sie mit, das klären wir. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu... Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Ihre Papiere, Fräulein. Sofort! Natürlich. Bitte sehr. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Ich
als der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Ja? Wie ist diese Frau? Will, aber ich vermisse die Heimat. Ich kann das französische Essen. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Gerade rechtzeitig für die Besprechung. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Haben Sie die mitgebracht? Ja, ich hab die Namen. Ja, lass ihn mal sehen hier. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sie sollten umgehend diese Berichte lesen. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Genauso viel Pech wie beim Kartenspielen. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Jedenfalls nicht die Hübschen. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage, vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole, je le jure. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont déjà en chemin. Vive la résistance! Balkon ist zurzeit gesperrt. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein.
Il faut faire vite. Vous êtes prêt à faire l'échange? Non, il est trop tôt. Et je dois partir en réunion. Les explosifs seront dans une mallette comme la vôtre. Nous ferons l'échange en salle d'opération. Passez devant. Non, il me surveille. Vous devez vous infiltrer dans le bureau d'Heinrich au troisième étage. De là, vous pourrez traverser l'aile nord et éviter les contrôles. On ne doit pas nous voir ensemble. Partez, rendez-vous en salle d'opération. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Now. If you will indulge me, perhaps we can converse in English. For as you know, I'm sure, practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Ça, c'est pour mes amis. Ça, c'est pour mon fils. C'est pour moi. Vive la résistance.
Avez-vous vu s'il portait des armes? Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Mach den Weg! In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Was soll die Sie Aufregung? Wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Fräulein, dieser Bereich ist gesperrt. Gehen Sie. Egal. Wer ist es? Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Keine Ahnung. Sie dürfen nicht hier sein, Fräulein. Gehen Sie. Dieser Bereich muss besser gesichert werden. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja, angeblich. Irgendeine Ahnung, wer? Ich bin mir nicht sicher, aber das Gebäude ist abgegeben. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum kümmern. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde schon überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! Vous ne me décevez jamais. On a un problème. Ils sont tous en état d'alerte. Ils ont capturé notre contact. Vous avez fait l'échange. Oui, j'ai les explosifs. Alors on change rien. On se retrouve dans la cour, une fois les charges posées. Je dois me faire discrète. Exposé.
trop risqué. Exposé.
Ausrüstung packen. Wir treffen uns umgehend mit Hauptmann Graf im ersten Stock. Woher kommt diese Zitrone? Encore une dernière. Je serai là si vous avez des ennuis. Thank you.
festgehalten? In einer Zelle im Keller. Ich will, dass dort rund um die Uhr 4 Wachen postiert sind. Maintenant, c'est à vous et vos hommes de jouer Daniels. Ils sont en retard. On devrait y aller. Tirez pas avant qu'on ait fait exploser les portes. Soyez prêts. Lâchez maintenant la peau! Allons-y, les gars. Ils ne peuvent pas tenir plus longtemps sans nous. Enfermez! Les Boches vont pas se laisser faire! Allez, allez, allez!
Reste bloqué! Sergent, donnez-moi leur position! Attention, Daniel! Des boches à l'intérieur, on doit les éliminer. Bewegung, schnell, schnell. Tenez, prenez ça. Rousseau, lancez un fumigène. Nettoyez l'entrée et bouclez le bâtiment.
Leur renfort arrive bientôt. Reste auf, mach le Ich kann nicht sehen. Ich muss in plein ventre, Fritz. Bon travail, l'ami. Ok, c'est bon. Il faut préparer les défenses. Les Allemands seront bientôt là. On les verra arriver d'ici. S'ils s'approchent, on balance des molotovs. J'ai ta trousse de secours. La ville tout entière s'est soulevée. On y est presque. J'ai la trousse de secours. Balance des fumigènes dans la rue. Les voilà. Daniel, vise le chauffeur. Pour tous les autres, attends qu'ils soient à portée. En voilà par ici! Grenade envoyée!
Faut qu'on dégage de là! Viens, Daniel! Très bon travail, les gars. Très bon travail. On l'a fait. Les forces de De Gaulle entrent dans la ville. On dirait bien qu'on aura du champagne et du caviar, finalement. Hé, hey Daniel, tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un potiaille ? Désolé, l'ami. C'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il me le dit. La ville lumière. Voilà une bonne raison de faire la fête, hein, Follet ? On ne peut plus reculer. La France a repris Paris. C'est pas encore fini. La guerre continue. Oh, allez, Pearson, laissez-les s'amuser. Ah, ça, c'est le rôle de Turner. Je n'oublierai jamais la prise de la caserne et la libération de Paris. Je crois même avoir vu Pearson sourire. Nous allons profiter de cet avantage pour avancer jusqu'au Rhin. Octobre, Aix-la-Chapelle. Les Boches la défendent comme des forcenés car c'est la première fois que l'une de leurs villes est envahie par les Alliés. Ce ne sera pas la dernière. On pensait que la libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent. Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a ordonné de tout nettoyer. Maison par maison. Il doit plus rien rester, comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. Je ne peux pas discuter mes ordres. C'est ça, votre seule mission. Hé, remuez-vous un peu. Il faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit. Hé, j'ai trouvé ça qui traînait. Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier? Le genre qui redoute une rupture? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniels, quoi, arrête. Y a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé, mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la lettre de Schrödinger, hein ? Bah quoi ? Ça suffit, les conneries ! On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Faut croire qu'on a tous nos limites. Sans exception. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort.
et Daniels. Daniels! C'est bon, je suis là! Baisse la tête! Merde, on les pile, mais il en arrive toujours plus! On va pas pouvoir tenir la place bien longtemps! L'artillerie est en chemin, ils disent être là dans 10 minutes! C'est pareil que 10 heures! Lieutenant Turner, il nous faut des plaintes d'ici! Richard, couvre notre plan! Couvrez la douce et laissez-moi réfléchir, mon Dieu! On a pas le temps pour ça, Jeff! Bon, Daniels! Toi et Aiello au téléphone avec Pearson! Vite! Allez, c'est parti! Daniels, vite! J'y vais! On est sous le feu! Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous! Bien sûr, mais ça va nous exposer sur le flanc. Ok, à ramenez vos flèches le plus vite possible. Bien compris, on se met en route. Et maniez-vous, c'est pas que nous réduisent en charpie! Terminé! Bon, les gars, direction le Stadttheater. La première section a besoin de nous. Position ennemie inconnue. On bascule en communication par radio et interphone. Radio activée! Hobson, cours par la droite pour rejoindre le théâtre. À droite devant! Bien reçu, Perez! Abrams, cool! Restez en position ici avec la seconde section et couvrez ce flanc jusqu'à notre tour! Bien compris! Ça marche, Perez! Restez vigilants et faites gaffe aux fantassins aux fenêtres! Ok, Hobson, en route! Ici avec la seconde section et couvrez ce flanc jusqu'à notre tour. Bien compris, ça marche, Perez. Restez vigilants et faites gaffe aux fantassins en fenêtre. Ok, Hobson, en route. Rechargement en cours. Sur leur terrain. C'est plus de tout pareil. S'ils veulent un bain de sang, ils l'auront. Ils ont pas la moindre chance. C'est pas leur façon de voir. Cours!
Droitement. Panzer Schreck, droit devant. C'est pas vrai! Où ils sont passés?
char sur notre gauche. La mitrailleuse sert à rien contre ce blindage. Rechargement en cours. Il est mort. Absinthe, je vais tomber. Absinthe, vous me recevez? Bon Dieu, Rapson, je suis désolé. Pour un pistolet. Grimpez-moi cette colline. C'est un tigre. Attirez-le. On doit viser ses flancs. Ici aussi. On peut charger. L'obus a ricoché sur l'avant. On bouge, ils sont sur nous. En direction de l'hôtel Allendorf sans soutien blindé. En route! Ok, c'est parti. Cet hôtel est un bastion nazi depuis des semaines. On doit le prendre si on veut récupérer la ville. Ça serait plus simple. Sergent, donnez-moi leur position. Pérez doit maintenir sa position. Nous allons ouvrir la marche, soldat. Qu'est-ce qui va pas? Y a pas d'ennemis ici.
T'as une fumigène de marquage, Ayello ? Hé, garde-les pour l'ennemi. Levez les yeux ! Surveillez les fenêtres ! Gardez un œil sur ces vitrines. C'est pas normal, c'est trop tranquille. Restez vigilants. Gardez votre calme, restez à couvert. Ça va aller! Accroche-toi, l'ami! J'ai besoin d'aide. Pas de question de retourner dans la rue. Ce mur a pas l'air solide. Daniel, ouvre un passage avec ton lanceur. À couvert. Ouvre un passage, Daniel. Dans la ruelle. Vous arrêtez pas. Hé, hey, Daniel, j'ai des fumigènes et des grenades. Indiquez-moi où il se trouve. J'en ai besoin maintenant. Je te l'envoie, Daniel. Chef, des munitions. Ton stock est plein. Dans la ruelle.
balles, bougez trois balles. Hey Daniel, tu pourrais dire que tu es obligé. Lancez de fumigène. Oui, monsieur. Tu t'en sors avec cette fumigène ? Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois ? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat ? Qu'est-ce que vous regardez ? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ils doivent se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Ils misent tout sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement, pour y grouiller le poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation ! Daniels, Sussman, vous ouvrez la voie, on y va ! Restez sur vos gardes. Les appartements pourraient grouiller d'un... À mon avis, ils sont dans tout le quartier. Je suis à sec, chef. Je te couvre, soldat. Ah. La voie est libre. En avant, restez vigilants. Daniels, on a encore besoin du lanceur. Gaffe, ça va péter. Je vois rien du tout. Allemand en face, descendez. Le passage est bloqué. On doit se débarrasser de ces vols. Ils sont pas. Restez baissés. La fumée se dissipe. Préparez-vous à tirer. La bombe qui arrive. Gardez-vous. Devant et sécurise la pièce adjacente. Affirmatif. La porte est bloquée. Il va falloir se faufiler. C'est vraiment étroit. Moi, je passerai pas. T'as mangé trop de corned beef. Oh, très drôle. Daniels, vas-y.
Daniels. Je pourrais aider l'artillerie à se diriger. Lance-moi la fumigène. Bien. Passe devant et sécurise la pièce adjacente. Affirmatif. La porte est bloquée. Il va falloir se faufiler. C'est vraiment étroit. Moi, je passerai pas. T'as mangé trop de corned beef. Oh. Très drôle. Daniels, vas-y. Tu vas bien ? Ça va ? Je vais mieux. Je bouge sur partout.
secours. Bon. Envoie-la par ici. Attrape. On est presque à l'hôtel. Soyez discrets. Ok, on y va. Descendez. Bahut nous bouche le passage. On va le pousser. Aiello, enlève le frein et prends le volant. Allez. Ouais, pigé. Daniels, on a besoin d'un coup de main. Il reste de l'essence. La batterie a du jus. Il nous faut un véhicule. Lieutenant, je crois que je pourrais le démarrer. Hey, quelle surprise. La gueule, les détails. Ok, on y va. Préparez-vous, les gars! Daniel, c'est encore un mur! Perce-moi ça! Mettez-les tous au tapis, d'accord? Reculez! À la gauche! Vous arrêtez pas! On doit nettoyer le hall! Sussman à droite! Aiello à gauche avec moi! Stein! À l'étage avec Pearson! Bien battu! Tous au tapis, d'accord ? Reculez ! Vous arrêtez pas ! On doit nettoyer le hall ! Sussman à droite ! Aiello à gauche avec moi ! Stein ! À l'étage avec Pearson ! À vous deux ! Bien battu ! On doit nettoyer le hall. Sussman à droite. Aiello à gauche avec moi. Stein, à l'étage avec Pearson. À vos ordres. Bien battu. Yeah.
nettoyer la zone derrière l'escalier principal. Indiquez-moi où il se trouve. Ratisse les étages. À nous de vérifier le sous-sol. Avec moi. Restez groupés. Hey, Styles, j'ai trouvé la cachette parfaite pour toi. Ok, Daniels, à toi la porte. C'est à toi, Daniels. Lumière. Je vais gucken. Vielleicht haben sie etwas zu essen. On dirait un gosse. Quelqu'un a du chocolat? J'en ai. Je parie que vous avez faim. Allez, tenez. Anna! Tout va bien. On vous veut pas de mal. À manger, ma sœur. Pitié, aidez-nous. Non. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Chef, vous devriez venir voir. Ah, c'est parfait. Merde. On est passé devant un camion tout à l'heure. On pourrait revenir avec et les sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Je parle pas Bosch, ma belle. Ich spreche es falsch Deutsch. Keine Sorge, alles wird gut. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Aiello, allez chercher ce camion. Rendez-vous du côté ouest de l'hôtel. En route. Je me demande ce que tu caches d'autre, Ersus Mann. Foutez-moi la paix. Ah, jamais de la vie, soldat. Jamais de la vie. Je crois qu'on est seul sur ce coup, Daniels. J'en reviens pas que Zussmann nous ait pas dit qu'il parlait allemand. En fait, il est juif allemand. C'est juste qu'il voulait pas révéler son côté allemand. On a tous quelque chose qui nous fait honte. J'arrive pas à croire qu'on se met une carte à la banque de poche. Il y avait un gosse. Des vieillards aussi. On va sauver tout le monde. C'est des civils. On les renvoie vers l'arrière. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Balu, allez! Ok, je vais pas en avoir pour bien longtemps. D'accord, on te couvre. Attention, on est sur le bord.
Halfrak sur la gauche. Que quelqu'un détruise ce dernier Halfrak. Attaquer. On dirait qu'il se replie. Daniels, grimpe dans le camion. T'as réussi à le démarrer. Merci pour le soutien. Je me demande s'ils sont pas en train de se regrouper au nord. On doit avertir les squads. On doit tirer ces gens de là et vite. Alors, on tient la position. Trop dangereux. On risque d'être pris entre les échanges de tirs. C'est un peu tard pour ça, là. Décide-toi. Pearson a raison, Daniels. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ce sont des civils, ils ont besoin de nous. Traverse la zone et carre-le dans la rue. Oui, sergent. Allez, sors les civils de là. Allez, allez, allez. Chef, on peut pas rester là. Leurs renforts sont en route. Hey, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qu'elle dit, là? Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Eh ben, elle peut y rester. On doit tirer tout ce monde de là. Allez. Lieutenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu as 2 minutes. Je viens aussi. Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, chef. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. Petite, viens, retournons voir ta sœur maintenant. Viens là. Chut, chut, tout va bien. Zeichen von Feinden. Wir sind nicht allein.
s'en sortir. Non, non! Surtout, tirez pas! Tout va bien. Feind entdeckt! Merde! Arrêtez! Tirez pas! Was zur Hölle soll das? Tout va bien. Wo ist der hin? Er versteckt sich! Den Keller durchsuchen! Bin dabei! Zeichen von Feinden. Wir sind nicht allein. Ça va aller. Sofort wieder raufkommen! Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Merde! Merde! Kaspar! Nein! Kaspar! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Tu t'en sors très bien! On y est presque! Ich will eher rüber! Tu vas devoir être courageuse une dernière fois! Bring uns hier raus! Encore un petit effort! Où est-ce que tu es? Pas le choix, faut y aller. Ah, pas par ici. Ah, il risque de me voir. Ça va aller. Pas par ici! Camion, on trouve! Ça montera des couverts! Ouvrez le feu! Tu t'en sors très bien! On y est presque! Kaspar kümmern. Die kommen nicht zurück. Okay, ils peuvent se débrouiller. En route. On les escorte à poids, c'est tout. Pearson a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer des tiens.
Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en danger. On n'est pas à Kasserine, là. On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. Tous à vos positions. Va voir si l'un d'entre eux sait conduire cet engin. Daniels, reviens ici et trouve un chauffeur. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäugen. Ja, ich kann fahren. Allez, venez. Elle est morte. Allez-y! Allez! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis les ordres, tout le monde retourne à l'hôtel! On bouge, on bouge, on bouge! Hé, on peut plus rien faire. On a pris Aix-la-Chapelle, ouvert un passage occidental vers le Rhin. Mais le fossé entre Turner et Pearson est plus large que jamais. Et c'est bien plus que nos vies qui reposent entre leurs mains. Après Aix-la-Chapelle, plus rien ne sera pareil. Mais nous avons fini par mettre un pied en Allemagne. Le passage vers le Rhin est ouvert et il n'est pas question de reculer. Pour aucun d'entre nous. Votre mission était de prendre l'hôtel, pas d'évacuer les civils. Qui a dit que c'était une opération de sauvetage? On pensait avoir le temps, mon colonel. Les dernières nouvelles, c'est Turner qui commande, et pas vous. Vous le laissez prendre les décisions? Non, mon colonel. C'était mes ordres, c'est ma faute. Tout est notre faute. À l'heure actuelle, j'ai mieux à faire que de me demander si deux de mes meilleurs éléments sont capables de suivre les ordres. Nous sommes à la veille de l'une des plus grosses opérations de toute la guerre. Je vous rappelle que ceci est le point d'entrée de notre dernière poussée jusqu'au Rhin. Nous allons devoir raser toute une forêt pour que le convoi puisse passer. Donc à partir de maintenant, vous allez devoir vous surpasser. Alors vous arrêtez les conneries tout de suite et vous allez vous préparer. Ça fait déjà 3 semaines. On rase la forêt de Hürtgen pour que le convoi puisse avancer jusqu'au Rhin. J'aurais mis 3 semaines à lire ta lettre, et j'en suis pas très fier. Si elle te largue, on est là pour toi, mon pote. Au moins, je t'aurais prévenu. Hé, hey, la ferme. Tu le laisses parler. Elle est enceinte. Wow!
C'est génial, incroyable. Mon vieux. Daniels va bientôt être papa. Elle a essayé de me le dire avant, mais je voulais pas l'entendre. Bon, allez. Je dirais pas non à un petit café. Allez, vous autres, laissez-le un peu tranquille. Je veux pas de café, moi. Oh, que si. Je suis désolée d'avoir tardé à te le dire pour le bébé. J'ai essayé le jour de ton départ. Le jour où tu m'as prise en photo. Rassemblement général. Où est Daniels? Davis va parler. Rapplique. J'arrive. Yodgun est sombre et presque impénétrable. Notre mission? Prendre la colline 493. Quiconque la détient, contrôle la vallée. Pour d'autres hommes, la tâche serait insurmontable. Mais notre division se targue d'une noble histoire. Pendant la Grande Guerre, nous avons été les premiers à tenir tête aux Allemands. Les premiers à lancer une contre-offensive. Les premiers à traverser le Rhin. Rien ne nous arrêtait et rien ne nous arrêtera. Lieutenant, quelle est notre devise? Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir d'abord. Je ne vous entends pas. Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir parfait. D'abord. Alors maintenant, préparez-vous. Le devoir d'abord. C'est reparti pour la boucherie. Amen, frérot. On décolle dans 5 minutes. Hey, Daniels. Tu pourrais me faire une fleur et apporter sa bouffe à Willis. Il garde le périmètre. Pigé. Merci beaucoup. Il est au poste qui surplombe la vallée. Bonjour, soldat. Bonjour. Avec les compliments du chef. Du premier choix, hein? Merci, l'ami. Ça se présente comment? T'as qu'à voir. Ces canons tirent sans relâche. Ça n'arrête pas. Il paraît que vous partez à l'assaut aujourd'hui. C'est ce qui est prévu. Bonne chance à vous. Merci. Première section, en route. Première section, ralliement. Bon. Notre objectif est d'éliminer les pièces d'artillerie au sommet de cette colline pour prendre la forêt. Première étape, retrouver la deuxième section à la rivière avant de se mettre en route. À quelle heure de résistance on va s'attendre? À une résistance forte. Le pont arrête pas de changer de main. On va les aider à le sécuriser. Nous voilà! Davis a rassemblé le plus gros convoi de blindés du monde, ma parole! Si ça, ça colle pas la frousse aux boches, rien n'y fera. Encore un bout de chemin jusqu'au Rhin. C'est pour ça qu'on doit les protéger et faire taire ces canons. Surveillez vos arrières! Vous êtes dans l'usine de la mort, ici. Jésus, est-ce que tu crois réveiller ta vieille blessure? Est-ce que ma mamie, elle s'est pété la hanche? Et chaque hiver... Est-ce que je ressemble à ta mamie? Maintenant que tu le dis. Ouais, embrasse mon cul gelé. Non merci, je préfère celui de mamie. Tout le monde vers moi! Quel charmant tableau. Marthe! Comment vous tenez le coup? Ces fumiers arrêtent pas de nous attaquer! La prochaine vague pourrait être n'importe quand! D'accord, première section, on leur file un coup de main! En avant! Reprenez le terrain! Établissez un périmètre défensif! Prenez ces mines et mettez en place ces mitrailleuses! Barclay, Cooper, allez jusqu'au pont et prévenez-nous si vous voyez du mouvement! On doit renforcer les défenses! Posez ces mines! Chef, je croyais qu'on devait neutraliser l'artillerie sur la colline 493. On peut pas laisser nos lignes exposées. On rejoindra le point de rassemblement quand on aura sécurisé le pont. Je vois ces cratères. Je me dis que ça va pas être facile. Notre boulot n'est jamais facile, soldat. Vous voyez ces dents de dragon? Les blindés pourront jamais passer. Ouais, je crois que c'est l'idée. Les boches sortent de la brume! Mettez-vous à couvert! À vos postes de défense, donnez vos positions! À vos postes de tir! Préparez-vous à engager le combat! Engagez le combat! On avance! Allemands à découvert! Unité lancée!
cherche à dissimuler ses mouvements. Ils arrivent. Repliez-vous sur la tête de pont ouest. On décroche. Préparez-vous. L'ennemi cherche à dissimuler ses mouvements. Ils arrivent. Cherche à dissimuler ses mouvements. Ils arrivent. Feu. Prends des munitions, Daniel. Repliez-vous sur la tête de pont ouest. On décroche. Tu vas t'en tirer. Accroche-toi, l'ami. Cherchez des armes sur les cadavres. La tête.
les ennemis!
Panzer Shrek sur les ennemis!
massif! Lance-roquette allemand! Parfait! Tire sur ce Panzer! Cherchez des armes sur le cadavre!